voilà ce film de Marvel. Jakarlo ak yow bon na tay rek c'est bon c'est bon OK monsieur le ministre est-ce qu'on peut avoir la séance même de cet atelier que vous avez conduit aux enfants? Oui, comme vous le savez, le Sénégal s'intéresse beaucoup à l'ensemble des ODD qui sont au nombre de 17, les objectifs de développement durable horizon 2030. Et parmi ces ODD, il y a l'ODD 14 qui intéresse le secteur de la pêche et de l'économie maritime. L'ODD 14 qui vise un développement, une conservation des océans et des cours d'eau en vue d'utiliser les ressources pour un développement durable. Autour de ce thème, cet atelier est organisé pour préparer la conférence qui aura lieu à New York du 5 au 9 juin, conférence à laquelle le Sénégal est convié et de manière particulière pour animer un atelier avec le Canada. Et en collaboration avec le PNUD, nous avons donc organisé cet atelier pour que l'ensemble des participants, qui sont des experts dans le secteur de la pêche et de l'économie maritime, la société civile, les acteurs de la pêche, pêche artisanale, pêche industrielle, la recherche avec le CROD, qu'ensemble nous puissions revisiter les objectifs de l'ODD 14 et regarder et voir si ce que nous sommes en train de faire au Sénégal est en phase avec ces objectifs-là. D'après la présentation qui en a été faite et par rapport à la comparaison de ce que le Sénégal est en train de faire, nous pouvons affirmer que le Sénégal est sur la bonne voie par rapport à l'atteinte des objectifs de l'ODD 14. Je vais citer quelques exemples. Par exemple, dans la gestion durable des ressources, je rappelle que le Sénégal a adopté par la loi 2015-18 du 13 juillet 2015, son nouveau code de la pêche. Et ce nouveau code de la pêche est entièrement orienté vers la gestion durable des ressources. La gestion durable des ressources dans le sens de limiter la surpêche, dans le sens d'augmenter les tailles minimales de capture pour permettre à la ressource de se régénérer, dans le sens également de lutter de manière farouche contre la pêche illégale non déclarée, non réglementée, pêche INN, avec des sanctions très sévères allant de 500 millions à 1 milliard, et quand il y a récidive, le bateau est confisqué. Donc toutes ces mesures-là concourent dans le sens de l'atteinte des ODD. L'atteinte des ODD aussi indique qu'il va falloir aider la pêche artisanale, parce que il est constaté à travers le monde que ces pêcheurs artisans n'ont pas de gros moyens. Eh bien, pour le Sénégal, le président Macky Sall a pris des options très fermes par rapport à l'aide à cette pêche artisanale. Rappelez-vous la subvention des moteurs. Le président a mis à disposition 20 milliards pour aider dans la durée les pêcheurs. Pour 20 000 pirogues, 20 000 moteurs, chaque fois qu'un pêcheur artisan achète un moteur, il reçoit une subvention de 1 million. Donc là également, cela fait partie des ODD 14. Et d'autres mesures qui sont en train d'être mise en œuvre, telle que la co-gestion, c'est-à-dire faire en sorte que les pêcheurs participent à la gestion sur la ressource, que ces pêcheurs se sentent responsables. Également, les aménagements que nous sommes en train de faire au niveau des pêcheries, la gestion du poulpe, la gestion de la crevette profonde, la gestion de la veloute, etc. Donc, toutes ces mesures également entrent parfaitement en corrélation. La mise en place des aires marines protégées, la mise en place des zones de pêche protégées. Donc toutes ces actions concourent dans le sens du respect, de faire en sorte que nous puissions atteindre les ODD 14. C'est le sens donc de cet atelier qui prépare la participation active du Sénégal à la conférence qui aura lieu
du 5 au 9 juin à New York sur les océans. Très bien. Est-ce que vous pouvez revenir sur le plaidoyer que compte faire le Sénégal relativement à cette conférence? Oui, le plaidoyer que fera le Sénégal. D'abord, la pêche illégale non déclarée, non réglementée, qui nous pose énormément de problèmes. Je l'ai dit plusieurs fois, 150 milliards de pertes par an dues à cette pêche illégale. Le plaidoyer pour le Sénégal, c'est dire qu'il faut qu'il y ait une coalition mondiale contre la pêche illégale non déclarée, non réglementée. Okay. Monsieur le ministre, juste une question d'actualité. On a vu que le président de la République, Macky Sall, a animé les investisseurs au sein de la coalition. Pensez-vous que c'est une bonne décision à 2 mois des élections législatives? D'abord, je voudrais dire que le président Macky Sall n'a jamais sorti une circulaire pour demander que des assemblées générales d'investiture se tiennent sur l'étendue du territoire. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que de manière spontanée, les responsables et les militants pensaient qu'ils pouvaient prendre cette initiative-là pour se réunir et investir. En tout cas, moi, je suis membre du secrétariat exécutif national de l'APR et nous n'avons reçu aucune circulaire nous disant « Allez à la base, appelez des investitures, tenez des assemblées générales pour des investitures. » Il n'en a pas été question. C'est la raison pour laquelle, et compte tenu du fait que ça et là, il y a des assemblées générales qui se terminent soit en queue de poisson ou alors qui se terminent avec des bagarres, eh bien, le président Macky Sall a pris la bonne décision. En toute responsabilité de dire stop, arrêtez ces réunions qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles. Et au plus haut niveau, les décisions seront prises avec les mécanismes qui s'y est pour que de bonnes investitures se fassent. De toute façon, il y aura de bonnes investitures dans la coalition Benno Bokuyakar. Monsieur le ministre, en parlant de bagarre, la fois passée, on a vu que dans votre localité, à Rufus, il y avait eu des bagarres. Pensez-vous que de tels agissements puissent vous honorer en tant que... Il n'y a jamais eu de bagarre entre militants. Je pense que vous faites allusion à un meeting que nous avions organisé à Bambilor. Il n'y a jamais eu de bagarre entre militants lors de ce meeting. Ce meeting qui est un très grand meeting, qui a rassemblé plus de 15 000 personnes, que j'avais organisé pour réconcilier deux camarades de parti, le maire de la commune de Bambilor, Ndiagne Diop, et un responsable de très haut niveau, Momodou Sall Diop, son challenger lors des locales de 2014. Il n'y a jamais eu de bagarre entre militants, revisiter les films. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est qu'un individu, et je le répète, encagoulé, armé et ivre selon ceux qui l'ont approché, a tenté de venir au niveau de la tribune officielle. Mon agent de sécurité s'y est opposé et l'a empêché d'accéder donc à cette tribune officielle. Il s'en est suivi une bagarre entre eux, et lui-même il a été blessé, c'est-à-dire mon garde-corps. Voilà ce qui s'est passé, et ça a été vite maîtrisé et le meeting s'est déroulé. Du début à la fin, tous ceux qui devaient prendre la parole ont pris la parole. Le meeting a commencé dans vraiment une très belle ambiance et s'est terminé dans une très belle ambiance. Donc pour ce cas précis, il n'y a pas de bagarre entre militants au niveau de notre zone. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Merci beaucoup. Atelier biñu woté tay dañ ko woté ndax dafa am conférence bu am solo bu wara am New York ci juromi fan ba jurom ñenti fan ci wéru juin biñu djublu té Nations Unies ñikoy organiser invité Sénégal mu bokku ci pays dëkk ñu tann pour que ñu anime fa ay panel yu am solo. Sénégal d'ailleurs lañu choisir ak Canada pour que ben thème bu am solo ñu mën ko animer fofu. Li tax nak ñu tan Sénégal, dañu gis ni Sénégal président Macky Sall ci walu protection océan, d'ailleurs champion lañ ko wax ni mom moy champion, bokku na ci champion protection océan. Ba daw sax daw invité won nañu au département d'état avec John Kerry, secrétaire d'État, le président Obama, ministre des Affaires étrangères Ackman, ñoo fa représenté un président Macky Sall, jël fa kaddu wax position Sénégal ci liguey bobu. ODDI manam objectif développement durable fuk ak juroom ñaar la. Ci fuk ak juroom ñaar yi dafa am benn bo xamni nak dafa concerner océan yi.
muy ODD 14 numéro 14 mu wax ni dañu wara topoto océan yi manam geej fonku ko topoto ressources yi nek gérer que de manière très durable donc lolu lañuy waxtane tay ak PNUD biñu jappalé ci atelier bi ñu wo ci ñi nga xamni sen xarañ amna ci lolu mo xam napkat yi la mo xam industriel yi mo xam chercheur yi société civile université yi pour que ñu waxtane xol ba xam objectif yoyu ñu fixé muy ODD 14 fu ci Sénégal tollu ndax liñ ci jotagum def da mengona ak li objectif yoyu wax biñ ko chambaré gis nañ ni effectivement mengona ndax mesure yi président Macky Sall jël notamment fexé bañu voter loi bu bess bi sur le code de la pêche muy la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 bo xolé loi bobu mesure yiñ ci jël yépp da fay sam geej sam geej gi moy sam li nga xamni mo ne ci bir xétu jeun yi masalan ya boy bi boko jëlé avant code bi ñiko nek fi dañ ni bu amé 12 cm rek man nga ko nap code bu bess bi dafa wax ni légui mëno ko nap té atteindre 18 cm fukki cm ak juroom ñet bo jëlé ciof bi avant code bi fi ñiko nek dafa wax ni bu amé 20 cm man nga ko nap légui dañu ni kenn mënul amul droit nap ciof té amul 40 cm liñ ci djublu moy fexé ba jeun yoyu am temps nan yu bare avant ñu leen di nap benen mesure ñu jël aussi moy xétu nap yu bon yi mo nam li ñuy woyé bateau pirate bateau yu dugg ci suñu geej di ci nap té amuñ ci ben sañ té lolu lu tollok téméri milliards ak juroom fukk lañ ci ñak par at ñu jël ay mesure nak pour xex lolu képp kuñ ci japp dañu la jox daan bo xamni dina mat juroomi téméri millions wala milliards té buñ la daané ñu jappat la dañuy nangu faf bateau bi donc yoy bokku na ci mesure yi Sénégal jël en fonction également des ODD 14 yenen mesure yi moy co-gestion manam ñi nap ñu xamni yëf yi du problème état bi rek du problème gouvernement bi seen yëf la lepp lu ñuy def dañ leen ci bolé associer leen mu am co-gestion également les aires marines protégées Sénégal mi ngi ci def lu baré ak les zones de pêche protégées lolou lepp boko bolé da fay fekk da fay wone ni Sénégal mi ngi ci sur la bonne voie sur la bonne direction ci ODD 14 yi nga xamni mom lañu jël donc lolou dinañ ko chambar tay waxtan ci préparer document bo xamni buñu démé New York Sénégal liñ ci xaar ci mom dina ko wana wone ba mu mat sék waaw plaidoyer ni yobbu bi ci ñëk dal moy ñun dama japp ni pêche illégale bi mom fokk ñu xex ko xex bobu nak du ben dëkk moko wara def du ñaari dëkk du ñett dëkk coalition mondiale la ñu mëna andando xex bobu pour que pêche bu bonne bobu man fay joggé ci suñu réew la question d'actualité et décision du président Diel nan nga ko jangaté décision bu baax la ndax président mosul wax ni dem len def assemblée générale pour wax nan ñoy wara doon député wala dét amna nak ñuko tambali won di def mais bi mu gisee ni ay ciow mi ngi ci am ba mu jël mesure bi nga xam ni en toute responsabilité mesure bu baax lañu arrêté su ko defee ñoom moom président ak ñim ko sekkal dañu waxtaan lu façon à la couléal coalition benn bokk yaakaar moom dina def ay investiture yu baax yoo xam ne bu génnee askan wi dañu ko voté massivement jox majorité au président Macky Sall à l' assemblée nationale. Waaw man naa ci dikk xam nga meeting boobu man maa ko organisé li taxoon ma organisé ko dafa am suñu ñaar responsable yu mag yu dëkk si commune Bambilor muy maire ba fa dëkk di Njagne Diop ak Mamadou Sall Diop responsable bu mag boo xam ni moo doon xëccoo maire bi ak Njagne Diop ñu bëgg leen jubale yàlla def jàmm ñu d' accord ñu organiser meeting bu rëy boobu meeting boobu réussite totale la ci wàllu objectif yi ñu bëggoon ñun maanaam ci wàllu militants yi benn xeex amu ci benn militants yi ñëw nañu en masse lu war a mat fukki junni nit ak juróom kenn xulóowul kenn xeexul ñi waroon jël parole yépp jël nañu parole ba meeting bi jeex nañu ñëwee woon noonu la ñuy ñibbee kenn gaañuwu ci lu fa xew mooy tribune bi ñu toogoon ma nekk fa Oumar Youm ministre
directeur de cabinet du président Yoni nekkon fa ay député nek fa ay maire nek fa ben way buñu xamul fu mu joggé ankagulew manam mur kanamam ak lu ñuul sol lu ñuul yor pistolet té ñiko jégué nénañu mi ngi xagn sangara koku mo forcé ni day yegg ci tribune bi sama garde corps niko do yegg fi yow parce que amo fi place ñu xulo pocho ah mom sama garde corps génné ko fofu lool la def roram d'ailleurs mang koy féliciter mom parce que loolu la waron def ci bir lool nak wajoju gañ nako mom sama garde corps bi ba mu xawa am gañu yu xawa metti metti donc loolu mo fa xew té duré wul 7 minutes 8 minutes ñu évacuer loyu continuer suñu meeting ci jamm ak salam loolu mo xew ci zone bobu zone jamm la zone salam la militants yi dañoo bokku nday bokku bay lolu dal moy la fa xew mais du violence bo xamni militants yi ñoo doon xex ci biir amul ben militant APR image yaangi fi xol len ko ci meeting ba bu am xex ci seen biir amul jerejeuf monsieur le ministre